Bonjour tout le monde, Redouane ERGC, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment reconditionner un ordinateur à neuf. C'est un PC portable de la marque Asus. C'est un TP412F et on a un problème avec l'écran qui est cassé. C'est un écran tactile plus le palmrest qui est abîmé dans le coin gauche. On va changer le palmrest, c'est un palmrest neuf, et on va changer l'écran. Donc c'est des pièces qui viennent de chez Asus directement. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par démonter, déjà séparer l'écran du palmrest. On commence à dévisser. Comme d'habitude, on débranche la batterie. Hop. Et on va faire la même chose. On va prendre, ça c'est notre nouveau clavier. On va prendre tous les éléments qu'on voit ici, on les met de ce côté-là. C'est parti. Faut récupérer aussi l'antenne wifi. Toujours respecter le cheminement que vous avez là pour les câbles, comme vous voyez. Je suis venu le voir.
On va récupérer le touchpad. C'est vraiment pas compliqué. Vous enlevez un élément, vous le remettez directement sur le palmarès neuf. Comme ça, en fait, ça vous évite de vous tromper dans les branchements. Même SATA. Là, je vise pas parce qu'il faudrait qu'on passe la nappe. Donc là, on enlève l'écran. Ah bon. On va mettre cette nappe avec la carte d'entrée-sortie. De brancher cette nappe directement parce qu'il est en dessous de la carte mère. Et après on pose. Voilà votre nouveau, notre nouveau écran.
Il y a un peu de travail qu'il faut enlever en fait la carte pour le tactile. Faire. Ok, donc sur ce modèle, ils ont mis la caméra en bas, plus la carte pour le tactile. On va essayer de remettre ça en place. Alors, c'est parti. Donc c'est trop fragile, il faut vraiment manipuler doucement. Moi, je vous conseille de brancher les deux nappes avant de mettre ça en place. Et la deuxième. Et c'est là où vous enlevez la deuxième. Chose. Maintenant, on va s'attaquer à la caméra. Vous voyez ici, il y a le cache charnière, donc la nappe, elle fait un... Voilà, on rentre la nappe à l'intérieur. De la caméra, donc pareil doucement, vous voyez c'est tout fin. La dernière fois en allant un peu très vite, j'ai cassé un peu la caméra, donc ça serait dommage parce que ça vaut quand même une vingtaine d'euros. Si ça vous fait moins de frais, il vaut mieux prendre son temps et démonter ça tranquillement. Voilà, donc pareil, donc là on va mettre la moitié, c'est branché.
essayer de prendre un mini distance. Donc je dirais ça. Ouais, juste après, donc c'est là. Voilà. Prenez le temps hein, de faire ça bien propre parce que une nappe qui est pincée, ça fait des traits sur l'écran. C'est trop fragile, il faut vraiment. Voilà. Les câbles sont bien passés. Maintenant, on remet notre cache. Franchement, au prix qu'ils vendent l'écran, ils auraient pu le mettre avec les mains. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc maintenant, on va prendre la manivelle. Ici, je pense que vous arrivez à bien voir. Ok. Donc là, je regarde si tout est bien. Ok, parfait. Je pose. Là, il y a des triangles, donc chaque triangle correspond à une vis. On branche la nappe d'affichage. Parfait. D'accord. Ok. Voilà pourquoi je voulais pas brancher en fait. La carte mère pour que je peux cette main passe cette main en dessous du clavier dans un emplacement. J'essaie de le montrer à la caméra. Voilà, donc ça passe ici en dessous. Voilà, ok. Je fais attention à ça.
le clavier. Voilà. Voilà, donc tout est branché, il nous reste juste à mettre la batterie. Donc on fait un dernier contrôle, toujours avant de brancher la batterie, pour voir si tout est OK. Il nous manque une vis ici déjà. C'est parti. On fait le test. Si c'est tout est OK, vous voyez. Donc ça c'est neuf. Écran neuf. Et donc clavier avec palmrest. Voilà. Donc on fait le test maintenant. C'est sur le côté. Espérons que la batterie est chargée. Ouais, apparemment c'est bon, elle est chargée. Et on démarre. Pour l'instant, j'ai pas d'affichage. On verra. Donc là. On a de l'affichage. Donc une fois on a l'affichage complet, on remonte en fait le PC. Voilà. Après, la souris je la vois pas. Voilà, on a la souris. On va essayer de taper quelque chose. Ouais, le clavier réagit, donc c'est bon. Ok, magnifique. Démarrer, arrêter. Et là, on remonte.
Et voilà les amis, voilà comment reconditionner un ordinateur à neuf. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner et partager cette vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.